Allô, allô, ici CHPHD. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, à propos de 5 objets que vous pouvez acheter pour faire plaisir à vos proches au cours de ces fêtes. Donc, la période des fêtes, elle arrive à grands pas. On a déjà passé le Black Friday, mais on a le Cyber Monday, on a le Boxing Day, on a le jour de l'an, on a la fête de Noël, et j'en passe. On a tout plein de raisons de faire les cadeaux. Et aujourd'hui, moi, je vous propose 5 choses, 5 objets que moi, je trouve que c'est parfait comme cadeau pour quelqu'un qui vous est vraiment, vraiment proche. La liste que je vous donne, c'est des objets que j'ai eu à voir ou à utiliser, que j'ai trouvé au cours de l'année qui étaient quand même de bons cadeaux, entre guillemets. Donc, sans plus tarder, on va passer à la bonne liste. Le tout premier, on va le sortir de la liste en même temps. Vous l'aurez sûrement deviné, ce sont les PS5 et les Xbox, les Xbox Series, les nouvelles Xbox, la S et la X. Merveilleuse console, CD, pas CD. Vous avez le choix, dépendamment de la gamme de prix que vous voulez dépenser. Le deuxième point, ou plutôt le deuxième objet que moi je vais vous présenter aujourd'hui, ce sera une friteuse à air. En gros, j'explique le principe, c'est une friteuse. Mais sans huile. Vous mettez pas d'huile dedans, vous mettez juste le truc que vous voulez frire et la machine se débrouille pour vous frire le truc quoi. Que vous mettez des frites, des patates douces, des bananes plantains, hey, you name it. Vous mettez de la viande, des saucisses, un bon steak juteux, une bonne poitrine de poulet pour les gains. Vous mettez ce que vous voulez. Et la friteuse à air va vous frire ce que vous avez mis. Vous avez deux compartiments qui sont quand même assez larges, qui pourraient accommoder beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je trouve que c'est super, vous pouvez réchauffer, vous pouvez frire, vous pouvez faire d'autres choses avec également. Mais ça s'appelle une friteuse à air. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, niveau praticité, niveau utilité, le top. Le troisième point maintenant. La machine à smoothie Nutriboulette. En gros, je ne sais pas si c'est le nom d'une machine à smoothie, mais mon utilisation de cette machine, je fais que des smoothies avec. Et la performance, elle est magnifique. Vous avez une option Extract qui se charge de broyer tout ce que vous mettez dedans. Tout devient liquide en gros. Et c'est super cool. Je l'utilise pour faire tous mes smoothies, tous mes shakers, quoi que ce soit que je veux boire et non manger, je le fais dedans. En général, un smoothie que j'aime bien, banane, fraise, et puis maintenant je vais avec soit les poires ou les mangues, ou vraiment, anyway, je suis distrait là. Mais vous voyez un peu la gamme, vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec, vous mettez les fruits que vous voulez. Vous les broyez, vous les buvez, top, healthy, cool. Honnêtement, c'est peut-être le top 1 que je recommande dans tout. Parce que, avec la vie de maintenant, le travail, les études, tout, il y a vraiment beaucoup de stress, beaucoup de fatigue et pas vraiment de motivation à manger santé. Moi, déjà, pendant la période du Covid, j'étais à 95 kilos, maintenant je fais 125 kilos. Ceci ferme le volet Nutriboulette. Ça, c'est également un bail. C'est peut-être même mon top 1 des bails. Si vous voulez vraiment faire plaisir à quelqu'un et l'encourager sur la voie du sain, du healthy. Passons. Le prochain objet, des AirPods. Bon, quand je dis des AirPods, c'est un peu abusé. Un peu seulement. C'est-à-dire, je m'explique. Vous n'avez pas besoin de prendre les Apple, les AirPods d'Apple, c'est pas nécessaire. Peu importe la marque, tant que vous avez confiance en la marque et puis que vous êtes dans la gamme de prix qui vous fait plaisir, c'est tant mieux. Je suis sûr que ça fera plaisir à la personne à qui vous souhaitez offrir ce cadeau. Par exemple, les MPOW, j'avais essayé le 5 et le 7, je crois. Vraiment qualité, vraiment pas mal, très bon, aucune plainte. Je crois que c'est ceux-là que mon épouse utilise encore, même si j'ai les AirPods Pro. Mais en tout cas, n'importe quelle paire de Earbuds, n'importe quelle paire d'écouteurs, vous pouvez même payer des Beats by Dre, ça c'est
propriété de Apple encore. Mais bon, vous pouvez payer les Beats, ils sont jolis, ils sont cool. Et tout le monde en parle, même si c'est pas une qualité ingénieur de son, mais c'est une très bonne qualité de son pour monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde. Donc vous avez le choix dans ces cas-là, vous avez les earbuds de Samsung, les earbuds de Sony, un niveau HTC faisait des earbuds magnifiques, ou alors des écouteurs magnifiques, des earbuds je sais pas trop. Mais voilà, vous avez vraiment le choix dans une panoplie de produits pour les écouteurs et vous êtes sûr au moins qu'ils ne prendront pas la poussière dans 3 mois. C'est clair que si vous achetez des écouteurs pitoyables pas aujourd'hui, ça va être un peu difficile de les sortir dans la rue, tu vois. Mais bon, si c'est des bons écouteurs, jolis, nice looking, tu vois les Beats, même les casques, tu vois, tu les mets, t'as l'air cool, tu vas à la gym, c'est déjà pas mal. Mais surveillez le budget quand même. Le cinquième point que je vais aborder, vous avez vu, je suis quand même passé à travers les points avec assez de détails. Le cinquième point, il n'y aura pas vraiment de détails parce que j'ai fait toute une vidéo dessus. Ce sont bien les AirTags et c'est bien ce qui vous reviendra peut-être le moins cher dans toute la liste et qui donne quand même une très bonne utilité. Mais c'est ça, voilà la liste des 5 objets que je recommande comme cadeau. Après, bien sûr, mon utilisation personnelle. Mais vu que vous avez pris le temps et que vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, je vais vous donner un sixième, qui n'est pas des moindres, qui n'est pas des plus économiques, mais qui est encore plus pratique. Et c'est bien les Apple Watch. Les Fitbit, je ne les ai pas essayés. Les Samsung Watch, je ne les ai pas essayés. Mais je suis complètement bias du côté des Apple Watch. La raison, les Apple Watch sont vraiment plus avancés et ont vraiment une technologie qui résonne avec beaucoup de personnes. Vu que l'Apple Watch est connecté directement à votre portable, à votre iPhone, vous êtes capable de traquer votre pression, vous êtes capable de connaître les battements de votre cœur, vous êtes capable de traquer le nombre de pas que vous faites par jour. Pour le fitness, vous avez l'application Fitness, c'est vraiment cool. L'Apple Watch, c'est vraiment cool et utile. En même temps, si vous faites un cadeau d'une Apple Watch à un enfant également, dès que l'enfant a l'Apple Watch sur lui, ça va nous éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Vous pouvez communiquer avec votre enfant à travers la montre. Il n'a pas besoin d'avoir son portable, forcément, dépendamment de quel Apple Watch vous payez. Et vous pouvez envoyer des notifications directement dessus. Essayer de localiser la montre pour essayer de voir où votre enfant est. Vous avez vraiment beaucoup d'alternatives et vous n'avez pas besoin de payer le latest greatest de Apple. Vous n'avez pas besoin de payer l'Apple Watch 7 ou déjà la 3, 4, je dirais la 4, prenez la 4, elle est un peu mieux. 4, 5, les anciens modèles sont super, le SE, le modem SE également, il est super. Ça ferait un magnifique cadeau. Ça, c'est un genre de cadeau inoubliable. Surtout si cette personne a déjà un iPhone, ce sera un complément vraiment hors pair. Donc, laissez-moi dans les commentaires toutes vos suggestions, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et comment vous trouvez la liste jusque-là. On a fait une petite liste, 6 pas mal. Donc, dites-moi. Est-ce que ma liste a pu vous aider? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant dans ma liste? Est-ce que vous pensez acheter quelque chose qui se trouve dans ma liste? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est un plaisir, comme d'habitude, de vous parler. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que vous avez pu trouver votre bonheur dans cette vidéo. Si oui, dites-moi dans les commentaires. Sinon, dites-le moi également. Peut-être que je vais faire une liste révisée. Pour que quelqu'un trouve son bonheur et quand vous êtes heureux, je suis heureux, donc ça c'est good. En tout cas, abonnez-vous, partagez la vidéo, aimez si vous aimez la vidéo, sinon laissez-moi dans les commentaires comment je peux m'améliorer et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et oh, one more thing, ça c'est un truc que je voulais rappeler. Anyway, n'oubliez pas le giveaway. Il est toujours courant jusqu'à la fin décembre.
N'oubliez pas de laisser des commentaires en bas de la vidéo des AirTags parce que j'ai besoin de noms pour pouvoir faire le tirage. Donc, sur ce,